Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler comment on peut reconnaître les grâces du Seigneur. Hier, on a parlé des blocages spirituels et comment on peut sortir de ces limites actuelles qui sont là. Donc, on va juste faire un retour très rapide un peu sur les choses qu'on a commencé à dire vers la fin de l'émission. Je vous posais des questions comme toujours. On veut se poser des questions, on veut s'évaluer soi-même, en fait, pour voir là où nous sommes sur le chemin du Seigneur. On veut progresser, amen. Donc, on doit s'examiner et voir, sommes-nous en train d'avancer? Sommes-nous en train de reculer? Est-ce qu'on fait du surplace? Et si on réalise, ah, je fais du surplace ou peut-être pire, je recule, bien, on veut s'examiner et dire, bien, qu'est-ce qui se passe? Je veux avancer. Amen. Et je prie que c'est votre prière aussi. Vous voulez avancer dans les voies de Dieu. Donc, ce qu'on a vu hier, en fait, on a vu plusieurs choses, mais on a parlé, en fait, qu'un des blocages spirituels dans la vie des chrétiens, c'est le mépris. On peut être dans le mépris qui est inspiré par la jalousie. Et puis, souvent, on va comparer aussi. Donc, on a vu dans plusieurs émissions des choses semblables. Et aussi, ce qu'on a constaté dès la première émission aussi, on a vu que notre entourage peut vraiment être une source de découragement. En fait, notre entourage, sans savoir, peut nous décourager, nous empêcher d'entrer vraiment dans notre appel, parce que notre entourage peut nous influencer négativement. Si c'est le cas, si je suis influencé par mon entourage qui ne reconnaît pas les grâces de Dieu, bien, je peux suivre mon entourage et celui qui m'influence devient mon leader spirituel qui peut aussi contrôler ma vie. Wow, c'est beaucoup de choses à retenir, mais en gros, ce qu'on veut faire, c'est diriger par le Saint-Esprit, selon sa parole, si on connaît sa parole et on l'applique. Bien, c'est ça qui va faire toute la différence dans une vie, et c'est comme ça qu'on peut sortir, en fait, de nos limites. On peut vraiment aller de gloire en gloire, on peut vivre les bénédictions de Dieu, et on peut voir la main de Dieu vraiment s'installer sur nos vies. Donc, quand on a parlé sortez de vos limites actuelles, on a mentionné qu'on veut refuser le mépris dans nos vies, hein, pour nous-mêmes. On ne veut pas se mépriser. On ne veut pas mépriser non plus nos amis. Et j'ai mentionné une chose très importante qu'on va voir aujourd'hui encore, mais un peu plus tard. En fait, que souvent, Dieu nous donne une clé ou une bénédiction, un contact divin, et puis cette personne-là va nous aider. Donc, on parle des grâces du Seigneur qu'on veut reconnaître, qu'on va voir dans quelques instants. Et aussi, encore une fois, concernant les blocages qui sont là, on veut discerner les influences spirituelles, cette fois-ci, pas simplement ceux qu'on côtoie, mais les influences spirituelles qu'on estime. Qui estimez-vous? Est-ce que, là, je vous pose une question très importante, frères et sœurs, écoutez-moi très bien là-dessus. Est-ce que vous cherchez vraiment l'approbation des bonnes personnes? OK? Parce qu'il y a des gens qui recherchent l'approbation de certaines personnes. Ils vont vivre leur vie ou ils vont travailler dans leur ministère pour plaire à certaines personnes. Et puis, bien, gloire à Dieu, quand on a des bonnes personnes dans nos vies qui sont là pour nous encourager, nous encadrer, nous corriger, gloire à Dieu, oui, pour des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a placés autour de nous. Mais, posez-vous la question, est-ce que je cherche vraiment l'approbation des bonnes personnes? Est-ce que je vis toute ma vie pour plaire à certaines personnes qui, en fait, peut-être sont à côté de la piste? Parce que si mon ami, admettons, m'approuve, il dit « Ah oui, tu as la bonne doctrine, ah oui, ce que tu fais, c'est très, très bien. » Et puis, on m'acclame et puis on me félicite. Mais en fait, si cette personne-là n'a pas raison, si cette personne vit dans une boîte où elle est influencée par une association d'église, par exemple, qui n'a pas reçu une pleine révélation, mais je suis encouragé de demeurer à la même place sur le plan spirituel, bien là, finalement, je me fais voler encore par le diable. Donc, la question est importante. Est-ce que vous cherchez vraiment l'approbation des bonnes personnes? Vous dites, mais comment savoir? Bien, est-ce que cette personne qui vous approuve, est-ce qu'elle est une source d'inspiration pour votre vie? Est-ce que vous voulez faire comme elle? Si vous dites, oh non, mais pas du tout, bien peut-être vous devez vous remettre en question et dire, OK, un instant, est-ce que je me laisse influencer par une personne qui ne devrait pas m'influencer à un tel niveau? OK, c'est important. Donc, vous pouvez être approuvé en ce moment par certaines personnes, mais elles peuvent avoir une vision spirituelle très limitée. Certaines personnes vivent dans une boîte et leur Dieu entre dans leur boîte. Et puis, on doit comprendre la vie chrétienne comme ça, là. Et puis, ces gens-là vous applaudissent et vous disent « Ah, c'est très, très bien ce que tu dis, ce que tu prêches, ce que tu fais. » Bref, vous êtes applaudis, mais est-ce que ces personnes-là sont les bonnes personnes? Par exemple, dans mon cas, je me souviens, il y a plusieurs années, avant que je fasse de la télé, j'ai commencé à écrire un livre en français. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, « Mais qui voudrait lire un de tes livres? » Honnêtement, c'était quelqu'un dans mon entourage.
Mais qui s'intéresserait à un de tes livres? Qui, pasteur Joël, voudrait lire ce que tu as à dire? C'est une question d'une personne très gentille, pas de souci, là, c'est une personne gentille. Mais cette personne ne m'estimait pas. Elle ne pouvait pas voir que Dieu pouvait peut-être me donner quelque chose qui vaudrait la peine d'être lu ou étudié. Donc, votre entourage ne saisit pas forcément la dimension ou l'ampleur de votre potentiel. Donc, si, admettons, vous êtes en train de faire des choses qui vous gardent dans une place, dans votre vie spirituelle, peut-être dans un ministère, qui va vous garder toujours limité, et puis ces gens-là ne reconnaissent pas qui vous êtes dans le monde de l'esprit, ils ne reconnaissent rien sur votre vie, et ils vous applaudissent, ils vous encouragent de demeurer là où vous êtes. Posez-vous des questions. Est-ce que vous vous limitez vous-même? OK? Aussi, avez-vous limité votre progrès selon la vision de votre entourage? Si vous vous laissez limiter par l'avis de certaines personnes, vous choisissez, possiblement inconsciemment, que vous n'irez jamais plus loin que ces personnes-là. Ils deviennent vos leaders spirituels. S'ils refusent d'aller plus loin, par exemple, vous entendez une prédication et vraiment vous êtes révolutionné par l'enseignement, vous dites « Wow, c'est glorieux, wow, je viens de découvrir mon héritage en Christ », par exemple. Mais là, vos amis ou vos influences spirituelles vous disent « Non, 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 il ne faut pas croire là-dedans, ce n'est pas vraiment vrai, bref, non, moi, je ne crois pas là-dedans ». La personne n'a pas forcément pris le temps d'étudier à fond, mais elle vous dit que ça ne vaut pas la peine d'étudier. Et puis voilà, elle vous communique son avis. Donc, s'ils s'opposent, ces gens-là dans votre entourage, s'ils s'opposent à certaines croyances, vous allez vous opposer aussi, car vous avez accepté de croire comme eux, tout simplement. Pourtant, Dieu vous appelait possiblement à croire différemment. Donc, on doit se poser la question, est-ce que je me laisse influencer par mon entourage qui a peut-être une vision très étroite, très limitée? Est-ce que je me mets dans la même boîte qu'eux? Ou est-ce que Dieu m'appelle peut-être à sortir de ses limites et dire, non, Dieu a des grandes choses en réserve pour moi. Peut-être j'ai besoin d'apprendre autre chose que ce que j'ai entendu jusqu'à présent parce qu'il y a d'autres choses que je dois vivre. Ou on dit, non, mon ami, mon influence ici me dit, c'est ça qui est ça, je reste tranquille et puis voilà, j'avance pas. C'est le cas de plusieurs chrétiens, je vais vous dire, plusieurs chrétiens refusent d'avancer. Ils sont pris, limités dans une boîte invisible, mais une boîte très réelle. Est-ce que votre entourage a des barrières religieuses? Par exemple, on peut parler d'une vision étroite d'un regroupement d'églises seulement. C'est comme ainsi parle notre association d'églises. Si l'association d'églises dit ceci, voilà, c'est ça qu'on va croire. Est-ce que votre entourage a des barrières émotives? Par exemple, vit dans le rejet ou la calomnie, il y a des barrières émotives et puis finalement, la vie de la personne va refléter en fait toutes sortes de blessures. Des barrières intellectuelles aussi. Je dois tout raisonner, si ça ne fait pas de sens, je vais tout rejeter. Êtes-vous influencé comme ça par des personnes dans votre entourage qui ont ces barrières-là? Donc, ne soyez pas limité par des barrières comme ça, de votre entourage. Passez en revue aussi, comme j'ai déjà mentionné hier, passez en revue aussi les personnes que vous avez méprisées. Parce que peut-être vous acceptez des gens qui vous applaudissent en ce moment, mais les gens que vous avez méprisés, ces personnes-là sont peut-être les personnes que Dieu a prévues pour votre vie spirituelle, pour vous aider à aller dans votre destinée de gloire. J'aimerais ça vous inviter maintenant à ouvrir vraiment votre cœur. J'aimerais ça relire un point très important que j'ai mentionné hier, que je vais maintenant souligner. Le mépris vous fait souvent rejeter la clé ou le contact divin qui vous donnerait votre propre percée spirituelle pour votre destinée. Ici, je parle du mépris et souvent la stratégie du diable. OK, vous êtes appelé à faire un ministère, vous êtes appelé à servir le Seigneur à un certain niveau. Là, le diable va soit vous tenter dans le péché, il va vous inviter à quitter la volonté de Dieu, la parole de Dieu. OK, s'il ne réussit pas, vous êtes tenté par toutes sortes de choses, mais vous demeurez fidèle au Seigneur. Vous refusez d'abandonner le Seigneur, d'abandonner l'Église, votre appel. Vous demeurez dans les voies de Dieu. Bon, le diable est un peu frustré. Il dit, bon, OK, cette personne refuse d'abandonner Christ, mais ce que je vais faire, je vais lui faire prendre des détours. Cette personne va prendre un détour et puis la façon que je vais faire, en fait, je vais semer des pensées de mépris dans sa tête. Et puis là, par exemple, Dieu avait prévu un contact divin, une personne que Dieu avait choisie pour vous aider à répondre à son appel. Admettons,
vous êtes un chanteur. Okay? Vous êtes un chanteur et puis là, vous rencontrez une chanteuse célèbre. Et puis là, vous la rencontrez, mais là, le diable vient déposer en vous des pensées, vient chuchoter. « Ah, cette personne-là, c'est une incompétente, c'est une… » Bref, il commence à semer des pensées comme ça, des pensées de mépris. Au lieu de les chasser, réalisant que Dieu n'est pas comme ça, là, vous entretenez ces pensées-là. Et là, vous dites « Ah, cette personne est vraiment incompétente. Pourtant, je pensais qu'elle était super merveilleuse, mais là, vous croyez une chose, vous êtes dans le mépris concernant cette personne, cette chanteuse célèbre. Mais c'est un mensonge, là. Cette personne n'est pas incompétente, elle est peut-être très douée, elle a un don de Dieu, bref. Mais là, vous avez rejeté votre contact divin par le mépris. Ou peut-être, une autre façon que le diable va travailler, c'est au niveau de la jalousie. Il va vous dire, « Ah, cette personne chante bien, ah, elle chante beaucoup mieux que toi. Vraiment, tu es vraiment inférieur. Tu es un moins que rien, finalement. » Et là, parce que vous avez un déficit d'amour, là, vous dites, « Ah, finalement, au lieu de recevoir cette personne-là comme étant une source de bénédiction, vous la voyez comme votre ennemi. Vous êtes en concurrence, en compétition contre cette personne-là. Vous voulez la détruire. Donc, dans vos conversations privées, vous la détruisez, vous l'attaquez. Et pourtant, vous devenez même des ennemis, là. La personne ne vous connaît peut-être même pas, mais vous devenez ennemi de cette personne-là. Vous êtes dans un resto avec d'autres amis, et puis là, on mentionne cette chanteuse. Et là, vous la descendez. Vous ne la connaissez pas, mais vous la descendez. Bref, voyez comment le diable travaille. Et pourtant, cette personne avait peut-être été choisie par Dieu pour vous. C'était votre cadeau qui arrivait dans votre vie. Mais là, le diable a réussi à vous faire tomber dans son piège du mépris. Donc, le mépris vous vole, vous fait souvent rejeter le contact divin qui vous donnerait votre propre percée spirituelle pour votre destinée. Une autre chose aussi dans ce même texte, là, cette même citation, le mépris vous fait souvent rejeter la clé. J'ai parlé de contact divin, mais la clé. Si, admettons, vous êtes dans une situation, je ne sais pas, de maladie, OK, vous êtes malade, et puis là, vous entendez parler de guérison, une prédication de guérison. Mais là, c'est la clé, la révélation dont vous avez besoin pour vivre votre percée dans votre corps. Ce que le diable va essayer de faire, c'est semer des paroles de mépris, peut-être contre l'orateur qui va prêcher ou peut-être contre la doctrine en question. Et là, il peut essayer de vous influencer comme il sait qu'il pourrait réussir. Il ne vous dira pas forcément que Dieu veut que vous soyez malade parce que vous savez, non, Dieu est bon. Mais peut-être il va dire, oui, Dieu est bon, mais Dieu ne veut pas forcément guérir tout le monde parce que, bon, voilà, on va avoir toutes sortes d'explications qui sont inspirées par la tradition des hommes, pas la parole de Dieu pure et simple. Donc là, finalement, vous croyez des doctrines, des traditions, et puis là, vous êtes tout mélangé. Et là, au lieu de recevoir la révélation qui était pour vous affranchir et qui était pour vous propulser dans votre destinée, peut-être même devenir un évangéliste de guérison, bien là, vous avez tout rejeté par le mépris. Donc, faites attention au mépris. Faites attention à la jalousie. Faites attention à vos paroles. Je l'ai vu à maintes reprises dans la vie des chrétiens. Je me dis, ah, j'entendais quelqu'un l'autre jour qui était terriblement pauvre, qui était dans des problèmes financiers. Cette même personne se moquait du message des finances dans la parole de Dieu. Elle se moquait et puis j'étais, mais c'est tragique. En fait, tu te moques de ta solution. J'ai discerné chez cette personne, bien c'est clair, c'est le diable qui a réussi à te séduire. Et comment est-ce qu'on peut se moquer parfois comme ça? Bien c'est encore de l'orgueil, c'est de s'imaginer que nous sommes au-dessus de ces révélations-là, qu'on n'a pas pris le temps d'examiner les choses à fond. Donc, vous allez sortir dans le nom de Jésus de vos limites actuelles et reconnaître les grâces du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, concernant les grâces du Seigneur, une autre grâce, bien, comme je l'ai déjà mentionné, bon, ça peut être des contacts divins, mais ça peut aussi être des clés ou des enseignements de la parole de Dieu. Je vais vous lire une chose que je viens de publier dans les réseaux sociaux juste hier, en fait. La Bible nous dit, une réflexion personnelle concernant la Bible. L'Église a souvent prêché et accentué la volonté permissive de Dieu, les exceptions, comme étant une règle générale concernant sa volonté. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. En fait, des fois, on rencontre des chrétiens qui sont dans la défaite, qui ne vivent jamais de victoire, qui sont découragés.
On parle avec ces gens-là et on découvre en fait qu'ils ne croient pas les promesses de Dieu. Et on peut déclarer, bien, voici une promesse concernant ta situation. Oui, mais quand même. On va entendre un discours qui dit oui, mais. Oui, la parole dit ça, mais aussi on doit penser à telle autre raison dans la Bible pourquoi cette promesse est annulée. En gros, c'est ça, là. Peu importe la promesse de Dieu, il y a toujours des gens qui sont là pour nous dire pourquoi on ne peut pas recevoir la promesse ou l'exaucement à une requête de prière. Oui, 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 c'est là, mais. Mais savez-vous pourquoi? C'est parce que l'Église a accentué les exceptions. Par exemple, on peut penser à des personnes qui sont persécutées, qui meurent même pour la cause de Christ. Mais depuis des années, j'ai prêché que parfois, il y a des chrétiens qui doivent donner leur vie parce qu'il est préférable, de ne pas renier notre Dieu, il est préférable de ne pas renier Christ que d'être délivré. Certainement, on aimerait tous être délivrés des attaques de l'ennemi, des persécuteurs, certainement. Mais dans certains cas, la volonté permissive de Dieu, c'est qu'on meure pour la cause de Christ parce que l'autre option, c'était de renier Christ. Vous comprenez? Même j'ai entendu le témoignage, l'histoire tragique d'une personne qui était tenue en otage et puis le criminel était là avec son fusil et il a dit « Renie Christ et tu vas vivre ». Et la personne a renié Christ et après, le criminel a tiré une balle dans sa tête. Donc, juste avant de mourir, cette personne a renié Christ. Quelle horreur, quelle horreur. Donc, il est préférable de mourir même, de mourir et d'être persécuté pour la cause de Christ que de renier Christ. Okay? Donc, il est préférable de souffrir pour Christ. Ceci dit, on va prendre des exceptions comme ça. Et dans le corps de Christ, on a souvent pris les exceptions et on a généralisé. Et là, on a dit, Dieu aime quand on souffre. Dieu aime la souffrance. Dieu se sert de la souffrance pour nous enseigner dans ses voies. Et on prend des versets, là, plusieurs versets, et puis on se construit une théologie comme ça. Ce que j'ai partagé dans les réseaux sociaux récemment, c'est que l'Église a souvent prêché et accentué la volonté permissive de Dieu, les exceptions, comme étant une règle générale concernant sa volonté. Le cœur véritable de Dieu ou sa volonté parfaite vise toujours votre bien. Sachez que notre Dieu est aussi notre Père. Certes, si vous êtes persécuté pour le nom de Christ, il est préférable de souffrir pour lui plutôt que de le régner. Mais dans le cœur parfait de Dieu, il aurait préféré que vous ne soyez jamais persécuté. Il aurait préféré même le salut de vos persécuteurs. Changeons notre vision de Dieu. Dieu est vraiment bon. J'ai partagé ça parce que je crois qu'on doit ramener de l'ordre dans le corps de Christ. Je crois qu'on a rejeté les promesses de Dieu et quand on rejette les promesses de Dieu, on rejette notre propre promotion. Parce que notre Dieu est fidèle à sa parole. Dieu nous a donné des commandements, oui, mais aussi des promesses dans sa parole. Si on découvre les promesses de Dieu, on dit « Seigneur, je reçois ta parole, ta volonté parfaite dans ma vie. » Mais là, si quelqu'un arrive et dit « Oui, oui, c'est écrit, mais... » Bien, certainement, il y a toujours des exceptions, mais pourquoi prêchons-nous juste les exceptions? Oui, mais si tu te retrouves dans un pays du tiers-monde et puis on décapite les chrétiens, tu ne pourras pas croire ça. Il y a des gens qui vont toujours aller essayer de vous siphonner votre foi. C'est possible si vous vous retrouvez dans un pays, même dans un pays du premier monde, si on veut. Vous pouvez être persécuté pour la cause de Christ. Mais le diable veut toujours, toujours attaquer votre foi. Il veut toujours voler les promesses de Dieu. Dieu peut dire une chose dans sa parole, il veut toujours semer un peu de doute pour vous empêcher. Donc, une des choses qu'on veut faire, c'est rejeter le doute, rejeter le mépris dans le nom de Jésus. Amen. Et on veut recevoir les grâces de Dieu. Amen. On veut recevoir les grâces de Dieu. Quelles sont les grâces de Dieu aujourd'hui? Bien, moi, je trouve une chose merveilleuse, c'est sa parole. La parole, c'est toute une grâce. C'est un cadeau que Dieu m'a donné. J'aime ça prendre du temps dans sa parole, méditer sur sa parole, méditer les promesses de Dieu, déposer la parole de Dieu dans mon cœur. J'aime faire ça. J'aime beaucoup mieux étudier la parole de Dieu et passer du temps dans la parole de Dieu que d'entendre des raisonnements des hommes et des femmes qui vont nous dire pourquoi la parole ne fonctionnera pas pour nous. Vous savez, quand on passe notre temps à parler des exceptions, bien, au lieu de bâtir notre foi pour vivre les promesses de Dieu, on est vraiment confus, on est distrait et on ne peut pas encourager les gens à vraiment croire la parole de Dieu. Vous savez,
on peut mettre l'accent sur les nuances, où on peut mettre l'accent et toute notre attention dans la parole de Dieu. Puis, comme j'ai mentionné dans une émission précédente, prochainement, je vais sortir une série dans Vie de foi sur la vie de foi équilibrée. Et je vais prendre le temps, je vais vraiment vous aider comment découvrir cette vie équilibrée de la parole de Dieu. La vie équilibrée ne supprime pas les passages difficiles dans la parole de Dieu, mais nous aide plutôt à comprendre. Donc, la vie de foi équilibrée croit la parole de Dieu en tout temps, jusqu'au bout. Il y a des gens qui vont dire, « Ah bien, si tu crois, par exemple, que Dieu veut guérir tous les hommes, et quand une personne ne vit pas sa percée, quand la personne ne reçoit pas sa guérison, tu es obligé de dire que Dieu ne voulait pas que cette personne soit guérie. Tu es obligé. » Et la tradition des hommes, des théologies inventées par les hommes, ont été façonnées, en fait, parce qu'il y avait certains mystères qu'on ne comprenait pas, par exemple, et on a dû trouver des explications parce qu'on se sentait obligé d'expliquer ce qu'on ne comprenait pas. Moi, je crois qu'on peut croire la parole de Dieu et aussi croire dans ce Dieu qui connaît toutes choses. Je ne connais pas toutes choses. J'accepte de dire, au ciel, Dieu m'enseignera ce que je n'ai pas compris. Mais d'ici ce temps, j'accepte de ne pas tout comprendre. J'accepte de ne jamais juger le malade, jamais juger le malade et lui dire « Ah, c'est à cause de ci ou cela ». Non. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. On ne juge pas notre prochain. On ne passe pas notre temps à accuser les gens faussement. Mais on croit sa parole, on s'accorde avec sa parole, on prie pour notre prochain avec amour. Et si la personne dit « Oui, mais la personne n'a pas vécu sa percée », bien, j'accepte de ne pas tout comprendre. Mais je vais continuer à prier pour mon prochain. Je vais continuer à croire Dieu pour les percer. Je vais continuer. Je crois, en fait, que c'est préférable de croire Dieu jusqu'au bout et de mourir, même sans peut-être recevoir. C'est préférable de croire jusqu'au bout parce que si j'abandonne ma foi avant de voir une percée, bien, c'est certain que je ne peux pas vivre de percée. Mais si je demeure dans la foi jusqu'au bout, bien, je peux vivre ma percée. Et gloire à Dieu, plusieurs vivent leur percée parce qu'ils croient à la parole de Dieu. Il y a aussi des gens qui ont des choses dans leur vie qui les empêchent de recevoir. Peut-être qu'ils ne croient pas Dieu. Peut-être qu'ils ont une certaine foi en Dieu, mais ils ont plus d'incrédulité dans leur cœur. Peut-être qu'ils se disent « Dieu ne m'aime pas ». Bref, il y a tellement de raisons. Notre foi n'est pas basée sur les expériences des hommes et des femmes. Notre foi est ancrée dans la parole de Dieu. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Donc, les grâces de Dieu, on parle premièrement de la parole de Dieu, des promesses de Dieu qu'on dépose dans nos cœurs. Et aussi, comme dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible nous parle que Dieu a fait des dons à son Église. On parle ici des cinq ministères. Donc, les hommes et les femmes de Dieu sont des dons de Dieu. Comment recevoir un cadeau? Bien, je vais être reconnaissant et je ne vais pas marcher dans le mépris. Je ne vais pas maudire, mais je vais plutôt célébrer et bénir Dieu pour ses grâces, ses dons de Dieu. Et puis, je vais aussi remercier Seigneur pour sa direction dans ma vie. Dans le psaume 37, verset 23, la Bible nous dit « Les pas de l'homme, qu'il a béni, l'homme béni, sont conduits par l'Éternel et il prend plaisir à ses voies. » Donc, sur ce chemin, comme j'ai déjà mentionné, Dieu prend plaisir à nos voies, n'est-ce pas? On marche avec le Seigneur et tous les jours, Dieu nous accompagne, il nous dirige d'une façon inconsciente. Et là, on réalise, OK, Dieu me prépare toutes sortes de grâces dans mon parcours où je vais recevoir de Dieu, mais aussi je vais être une source de bénédiction pour mon prochain. Et je vais vous partager une petite histoire que je viens de vivre tout justement il y a quelques jours. J'étais dans un avion et puis il y avait une jeune femme qui venait d'arriver dans l'avion. Cette jeune femme pleurait, c'est une adolescente, elle pleurait. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que cette journée-là, j'ai vécu quelque chose d'un petit peu anormal. Typiquement, je demande toujours aux compagnies aériennes de m'asseoir avec ma famille. C'est normal, je veux m'asseoir avec ma famille. Et typiquement, j'aime ça être sur le siège dans l'allée parce que j'aime ça pouvoir me lever quand je veux. Donc, cette journée-là, j'avais totalement oublié de réclamer un siège dans l'allée, mais j'étais pris dans le fin fond de l'avion, à côté de la fenêtre, donc de l'hublot. Et puis, j'étais là, derrière cette jeune femme, tout seul. Ma famille était en avant, moi, j'étais en arrière. Et puis, cette jeune fille, cette adolescente, en fait, elle pleurait. Elle pleurait. Et j'ai vu une autre femme avec elle. Au départ, je pensais que c'était peut-être sa mère qui lui disait, « Bon, tout va bien aller. C'est peut-être une crainte de prendre l'avion. » Bref, au départ, c'était ça. Mais comme j'étais assis à ma place, à mon siège, je me sentais comme, « Non, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et puis,
En fait, il y avait une hôtesse de l'air qui est arrivée avec un petit panier pour nous offrir des bonbons. Et à ce moment-là, je lui ai remis une note. Et sur la note, j'ai écrit, est-ce possible que c'est pas simplement une crainte de prendre l'avion, mais c'est peut-être le trafic humain? Est-ce possible? Est-ce que cette femme qui l'accompagne, est-ce que c'est vraiment sa mère? J'avais une question. J'ai remis ça à l'hôtesse de l'air qui a pris ma note discrètement. Et puis moi, je me retrouvais derrière la jeune fille qui pleurait, qui s'était calmée aussi. Mais là, après ce qui s'est produit, la dame, l'hôtesse de l'air, est revenue voir la jeune fille et la femme. Et elle a demandé, elle a dit, j'aimerais vous demander de me donner votre passeport, vos passeports. Et puis elle a pris les passeports. Et puis après, l'hôtesse de l'air est revenue me voir. Elle a dit, quand vous allez descendre de l'avion, juste avant, venez en avant, s'il vous plaît. Donc, j'ai rencontré le capitaine qui était là. Le capitaine de ce vol, et puis il m'a donné la main, il m'a dit « Merci beaucoup, monsieur, vous êtes de quel pays? » J'ai dit « Du Canada. » Il dit « Merci beaucoup. » Et en sortant, j'ai vu qu'il y avait trois policiers qui étaient là avec la jeune fille et la dame. Et je me suis dit, d'une façon inconsciente, Dieu nous dirige, Dieu choisit même nos sièges. Gloire à Dieu. Moi, je crois que Dieu a permis que j'oublie totalement de faire ma requête, de demander d'être assis avec ma famille. J'ai totalement oublié, et ce n'est pas une chose que je fais habituellement. D'habitude, je suis prévoyant, je veux m'asseoir avec ma femme, mes filles, voilà. Mais cette fois-là, j'ai totalement oublié, et je crois que Dieu était celui qui avait dirigé mes pas pour que je sois témoin de cette situation-là où j'ai pu dénoncer, et je ne sais pas si ma petite note a eu un grand poids, je ne sais pas, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et heureusement, ma fille Floramée a dit qu'elle avait vu la jeune fille et puis elle semblait soulagée d'être avec des policiers qui l'interrogeaient. Donc, on dit gloire à Dieu pour les grâces, Seigneur, pour sa parole, pour les gens qu'il met sur notre route. Gloire à Dieu pour sa direction dans nos vies. On ne veut pas rester limité dans notre vie par nos raisonnements humains, par le doute, par le mépris, par toutes sortes de choses, un entourage qui ne croit pas en nous. On veut être dirigé par le Saint-Esprit. Et vraiment faire du ménage. J'ai dit non, j'ai réalisé que pendant longtemps, j'ai laissé tous ces blocages me bloquer. Et aujourd'hui, je prends une décision, c'est terminé pour moi. Dorénavant, je vais marcher dans l'intégrité. Je refuse d'entendre des discours qui sont dans la critique, dans le jugement. Toutes ces choses-là ne travaillent pas pour moi. Ces choses-là, en fait, m'éloignent de ma destinée. Et je n'ai pas du temps à perdre. Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux avancer dans les voies de Dieu. J'espère que c'est votre déclaration aujourd'hui. Avancez, sortez au nom de Jésus de toutes vos limitations. Et demain, on va déclarer la vie de Dieu sur nous et on va tous entrer ensemble dans notre destinée de gloire, destinée bénie dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. À demain, soyez richement bénis.